Cher inconnu, de temps en temps, je griffonne l'espoir comme pâturage. Et depuis, j'apprends à essuyer chaque graine de poussière de mon entêtement. À force de vouloir forcer le vide, rendre inaccessibles mes pénitences, à vouloir à tout prix cacher le silence de mon évasion, je deviens un tambour qui perd sa dissonance. Ma bouche prêche la dichotomie, et ma dulcinée brûle sa robe d'impatience. Parfois, j'ai croqué la réalité pour redonner goût à mon exil d'intérieur, mettre fin à mes doutes capricieuses. Ce serait donc le synonyme de l'accoutumance, l'embrassement d'un raide qui, par ses ailes, propulse la radiation de ses organes maudits. Je deviens de temps en temps parallèle d'une condescendance qui patauge au milieu d'une exaction faite avec une moitié d'innocence. La fillette que j'ai vue passer à la rue 5.0D traînait sous ses pieds sûrement l'indéfendable. Or, le AK-45 qui lui a arraché les semelles et les poitrines laisse envoler tous ses désirs. Il ne serait jamais remis en cause. Le rapport sera rédigé. Sommation serait donc la complainte. Des discours immémoriaux sans fondement fleuriront aux obsèques de la jeune pousse. Et demain, comme tu le sais, demain, cela recommencera, probablement pour des siècles à venir.